Bon, j'ai refait des tests, ça a l'air d'être bon. Alors du coup, j'ai récupéré. Par miracle, je sais pas comment je me suis démerdé. Bah là où, bah oui, en fait, j'aurais juste à faire tac 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 et ouais. Bon. Je me suis fait chier autrement, c'est pas grave. S'il avait dévoré Déméter, Hestia, Hera, Hadès et Poséidon seraient tous dans son ventre à l'heure qu'il est. Oui, enfin, je les ai surtout condamnés à l'immortalité à côté de moi. Je me demande ce qui est pire. Hadès, il t'aime. Oui, il m'a donné 2 amphores de vin à rapporter chez moi. C'est ça l'amour? C'est vrai que ça serait marrant de voir Hadès. Bah voilà. Là j'ai plus de problème. Oula. Oh putain, j'ai chaud au cul. T'es revenu, Joker? Oh, sans faire exprès, je l'ai eu. 4 pièces. Phoenix n'abandonne jamais. Je l'admire pour ça. Des éclairs de ma forge pour réchauffer ton trajet. Merci, Héphaïstos. Je pense que ça fait une éternité que j'attends la lampe à pointe de diamant que j'ai commandée. L'inspiration ne vient pas sur commande, Arès. Mais toi, oui. C'était une expérimentation privée. Ah, une pub. Ah merde, il y a une pub. Et c'était la dernière. J'ai pas lancé une pub. Pourtant. Que tu as en tête? Rien. Laisse tomber. En contrebas, l'île d'or semblait presque paisible. Ne t'arrête pas pour admirer la vue, Phoenix. Tu y es presque! Allez, il faut battre l'Iguiron! T'as chance que c'est toi. là, je l'ai pas activé. J'ai rien activé. Si, c'est activé tout seul. J'ai un bouton où je peux activer la pub. Mais je l'ai pas activé. Pendant des semaines, j'ai fait la fête. C'est le fait que j'ai relancé le live et que t'as relancé. C'est vrai que des fois, quand je vais dans les streams, quand tu le lances, des fois t'as une pub automatique. Tu as l'esprit très occupé. Quand je veux rejoindre Screamer, c'est vrai que j'ai des pubs. Oui, c'est peut-être le fait que t'as refresh. Triste. Attends, parce que je suis en train de faire une connerie. Je suis en train de descendre de ce côté-là. Et ça a l'air d'être le chemin. Oh, ouais, vas-y, hein. Espèce de chauve-roux. Oh, mais quelle salope! Et en plus, tu sais quoi, Joker? Tu vois, Bidjob, je l'ai rencontré en vrai. Là, hier? Non, bah non, oui, si, hier. Et 2 fois, je le croise. En plus, je me demandais, bon, il me connaît, il va venir me voir. 2 fois, il passe devant moi sans dire bonjour. Il savait que c'était moi, enfin, il a eu un doute. Moi j'étais en train d'errer et tout. C'est bon, la vache. Alors attends.
ascenseur. On refait bien le tour de la petite flèche. Putain, poulet. Qui t'a croisé? Bijop! Enfin, il m'a envoyé un message disant qu'il était au champ. Et je suis venu le voir. Et après, à un moment donné, il se demandait si je bossais vraiment. Je lui ai dit, si, je suis en train de bosser là. Il a compris que j'étais un glandeur. Oh non, c'est un rocher. Putain! J'ai raté mon saut. J'ai cru que j'allais y passer. Bah, au fait, j'ai oublié de vous dire. J'ai mon premier sub. Bon, un sub prime. J'ai mon premier sub. Moogie. En plus, c'est marqué First. Phoenix était résolu à atteindre le sommet. La vue du pic lui donna de l'espoir. Non, c'est pas intéressant. Je ferais mieux de passer. Prométhée, avance. Raconte-moi l'histoire. Je continue là-bas. N'essaie pas de me remonter le moral. D'abord c'est génial. Mais c'est des ennemis bleus. Et qu'est-ce que vous me prenez le jeu là? Moi je te soutiens moralement. J'ai continué. Et toi t'es le meilleur. Attends, parce qu'il y a quand même Monkey qui est the first. Mais mon meilleur viewer, ça restera Joker avec son niveau. 77? Non, 74? Oh, je sais plus. 75, peut-être que t'es monté. Ce que je voulais, moi, c'était m'amuser. Je n'ai jamais voulu être père. Je n'ai jamais pensé qu'à ma pomme. Ah, est-ce que ces chaînes me font mal? Non, mais ça te nuit qu'on parle de moi, deux secondes? Une perle roula. Phoenix se demanda si les huîtres, ça se dirigeait moule et... Oh, ah bah non, t'es au niveau 76, parce que... Arrête. C'est nul. Tu n'as aucun talent comique. Alors oui, tu as fait rire 2-3 Pékins sur la place de Michel. Moi je dis, Joker, road tout niveau 100. Michel quand il passait pour Noël. Mais tu n'es pas... drôle. Ah bah du coup, oui. Je me sens mieux, mais... je suis où dans la map? Parce que j'ai l'impression que c'est un bazar cette map. Ah oui, je suis en train de vraiment m'amuser à faire le tour quoi.
Vous allez tous payer. Ah. Allez, go. Bon, du coup, comme je disais la dernière fois, maintenant pour. Putain. Pour passer partenariat, on a. On y arrivera jamais en fait. 70 viewers. En fait, le nombre de jours à streamer en une journée, enfin en un mois, je veux dire. Et. Qu'est-ce que j'ai pour. Et le nombre d'heures, ça va, c'est facile. Mais les 70 viewers de moyenne, une autre petite chaîne sur laquelle je vais des fois, je suis à peine 25 et j'ai été abandonné à cette chaîne avant la tienne. Ah ouais, c'est laquelle? Vas-y. Fais partager. Ça se trouve... J'irai l'héberger. Si ça sert à rien d'héberger avec le peu de personnes que j'ai. Oh merde, c'est pas encore ce que je fais. Yes! Un casque! Avec un skin. Et merde, je crois que je viens de faire une connerie. D'un côté, ce qui est bien avec les petites chaînes, c'est que tu peux parler tranquillement avec le streamer, alors que quand tu vas dans une grosse chaîne, parler dans le chat, ça sert à rien. Dans une grosse chaîne. Phoenix fut victime d'une embuscade. Je ne peux pas les affronter tous et battre les guillemets. J'assure tes arrières, Phoenix. Le cri de guerre d'Arès te réchauffera. Une meuf de notre âge qui fait du rétro avec Edge of. Morgan. Ok, on ira voir ça, je vais revoir ça. C'est vrai que j'ai mis personne, il y avait une autre, c'était c'est quand même, je sais pas. J'en regardais parce qu'elle faisait des monstres de TV. Mais regarde, ils me mettent des monstres bleus. C'est ridicule. Lui, d'accord, en plus j'ai les pouvoirs d'Arès. Donc là je vais voir. Presque. En plus, il y a un succès. Faut monter tout là-haut. Hein. Oh, ils me l'ont TP, les bâtards.
vais chez DG. Je dis jamais rien, c'est inutile quand t'as plusieurs milliers de joueurs. Ouais, grave. Bah, JDG, ça m'arrive d'aller voir. Bah, j'ai regardé les Among Us parce que ça me faisait rire avec lui. Sinon. Putain, faut que je regarde. Y a Table Quest chez Alpha qui est pas mal. Ça, je voudrais bien regarder. J'ai regardé la première partie. Enfin, la première live qu'ils ont fait. En gros, c'est du JDR. À faire une énigme à la con encore. Bah, par exemple, sur un lab comme Lokir, parler dedans, ça sert à rien. Quand tu vois tout le foot qu'il y a, t'as à peine passé ton message, instant paf, il est déjà passé tout en haut. À la limite, le chat qui pourrait être intéressant, c'est quand t'as le chat s'abonne. Bah, après, faut t'abonner. Ça encore, ça peut être intéressant si t'es abonné. Je sais pas ce que je fais, mais on y va. Je le fous pas Alpha, mais c'est vrai qu'il est vachement content. Ouais, en plus c'est un des mecs, je crois que c'est l'un des rares mecs, quand il fait un jeu, c'est en mode difficulté haute. Parce que je crois que par exemple Cyberpunk il a fait en difficulté haute, c'est un des exemples. Je crois qu'il fait souvent la difficulté max des jeux. Et ça c'est vrai que... peut-être un truc qui m'attirerait plus quoi. J'en suis où dans cette histoire? Attends, tac tac. Ah donc j'étais censé monter comme ça et passer par là, ok. J'aime dire, si ça s'escalade pas, putain. Chat, c'est mon ami ou follow ami. C'est vraiment, c'est de la merde, je trouve. Quand je vois que c'est, ça, je m'écasse direct. Bah, en fait, t'arrives à un moment donné, je pense que pour les gros streamers, mettre un chat avec tout le monde, ça sert à rien. Du coup, à un moment donné, si tu mets un sub only, c'est peut-être plus, le chat est peut-être plus fluide et plus sympa. Après, c'est vrai que ça te force à... Ça force à te sub pour parler, mais d'un côté, si t'enlèves le sub only, si tu parles, ça sert à rien. De toute façon, ton message il est noyé. Par contre, les petits streamers qui mettent un sub-only, là, je trouve ça ridicule.
gratuit ça. Ils mettent pas beaucoup de fleurs jaunes. Parce que du coup j'ai pas beaucoup de potions jaunes pour la défense. Oh, tu dois t'es joli. Allez, on va y arriver, on va y arriver au sommet. Eh, je suis à deux doigts d'hésiter de me faire typhon ce soir. Si on peut l'enchaîner direct à la montagne. Comme ça, ce jeu-là, on a fini, on peut passer à autre chose. Après, tu me diras, j'ai juste la semaine j'ai jusqu'à la semaine prochaine pour... En attendant d'avoir Mass Effect. Et j'ai un gros week-end, ou je me fais un gros jeu ce week-end. Parce que j'ai un gros week-end qui m'attend. Et c'est quand encore. Félix remarqua une représentation élaborée de la roue enflammée du roi Ixion. Ah oui, le roi que j'ai attaché pour l'éternité à une roue ardente parce qu'il avait essayé. Tandis que moi, je couchais avec tous les mortels qui me faisaient envie. Quel que je suis. Tu oublies que c'est aussi un meurtrier. Naturellement, c'est le fils d'Arès. Et voilà, je viens encore d'insulter Arès. C'est pas vrai. Attends, je me suis perdu. Tac. Tac. Ok. C'est bon. Et là, je me suis re... perdu ça. Tu vas te vers quelle heure? Ah putain, c'est vrai que je commence le matin. Bon, en fait, je pense qu'on fait le sommet de la montagne et on s'arrêtait là. Parce que le temps qu'on fasse le boss, je sais pas combien de temps ça va finir. Oui, j'ai trouvé ça marrant, mais irresponsable. Il est un enfant difforme, rejeté par tous les mortels et qui n'a trouvé la paix qu'auprès des jumeaux, avec lesquels il s'est accouplé d'ailleurs. Il est mort tout seul et tout triste. Vois le bon côté des choses. Au moins, ses jumeaux ont donné naissance au Thor. Ce que je viens de comprendre, il s'est couplé avec un jument. Des hybrides hypersexualisés à pas savoir si on doit vomir, être excité ou s'enfuir. Mais bien. Bon, il va m'embêter. Bon, attends, je suis là. Ça paraît la roue de feu. Peut-être aller monter là-haut. S'il y a un combat contre les grillons, je le sens gros comme une maison, ça. Ah, la tour de Thémis. Déesse du droit, de la famille et de l'équité. Et accessoirement, mon ex-épouse, elle voulait tout faire selon les règles. Impossible de la tromper, alors je m'en suis débarrassé. Pas tué. Attends, pour l'instant. Tu sais, c'est con. Pour l'instant. Ah, pas tard. Ça va, on est large. Ah, on s'en fait des pièces, putain.
Thémis est aussi la déesse de la prophétie. Du coup, j'hésite. Est-ce que je prends tout le week-end pour finir le jeu à 100%? Enfin, faire toutes les quêtes. Et ce serait mardi qu'on finirait le jeu. Cette femme pouvait prédire l'avenir. Elle voyait tout, entendait tout. Tu imagines, toi, d'avoir raté quelque chose avant même d'avoir essayé? Une horreur. J'en fais encore des... J'ai peur. C'est bon. Du coup, je suppose qu'il faut continuer là-bas. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On finit le pic. Comme ça, on débloque cette zone-là. Avec cette zone-là, on essaye de débloquer un peu tout. Parce que j'ai pas envie de commencer un jeu et de mettre en pause. Enfin, commencer un autre jeu et de mettre en pause alors que j'ai Mass Effect qui arrive après. Donc mardi, quoi qu'il se passe, ouais, mardi, quoi qu'il se passe, on finit. C'est un défi. On finira mardi ce jeu là au max quoi. Et on prendra notre temps de faire quelques succès. Parce qu'en plus on a bien avancé en succès, non? 525. Parce qu'après il y a les tableaux à finir, ça serait bien de le faire. Abattre 100 arbres, bon ça on va s'amuser à couper des arbres. Parce qu'on fait 10 000 à des pièges, ça j'ai jamais vu, il faudra que je le fasse un jour. Improviser tous les montures, ça faut que je trouve une monture légendaire ça. Pour finir, lever le brouillard sur l'ensemble de la carte, ça va se faire. Joindre le point culminant, ça on est en train de le faire. Ça on va le faire, on est en train de bientôt le faire. Pour créer toutes les apparences de phosphore, pour créer toutes les ailes, améliorer tout un... Bon, ça en gros, fouiller tous les coffres quoi. Et mener bien toutes les quêtes annexes des dieux, ça c'est ce bon, on va faire ce week-end. Améliorer intégralement l'arborescence des potions, ça va être rapide. Améliorer ses compétences, ça c'est bientôt. Ça c'est un truc de Zeus, échouer à l'épreuve d'initiation. C'est le début du jeu ça. On a bien l'épreuve secrète. Ok. Obtenir toutes les bénédictions. J'ai pas toutes les bénédictions. Tu vas me dire qu'il reste une bénédiction de Zeus? Allez, on va y arriver. Si tu tombes, tu recommences tout. Ah, en fait, faut que je te montre. Maintenant, dans le jeu, j'ai mis un quick resume. C'est ici. Et du coup, au début, tu savais pas trop lequel jeu était en quick resume et tout. Maintenant, c'est bon, je peux choisir. Enfin, les prochains jeux que je lance et tout. Et si j'ai un jeu en quick resume que je veux enlever, je peux l'enlever. Oula. Le son du jeu, c'est bon. Dans quelle connerie je me suis encore. Putain, mais c'est encore loin! Il y a quoi là-bas? Oh, un cristal rouge. Mythique et obligatoire pour que monte. Ah, il me précise si je dois obligé de faire un truc ou pas. Génial le jeu, va te faire.
Eh bah on est pas prêt de finir la montagne. Hein. On est mal barré. Hein. Je déteste cette énigme, parce que cette énigme c'est plein de petites énigmes à la con que j'aime pas faire. Ah oui, en plus j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de l'autre côté. Où sont les deux autres? Une là déjà. Oh bon. D'accord. J'ai l'impression que c'est un mode facile cette zone. Ah putain, ok, c'est bon. Putain, je viens de comprendre. Viens ici toi.
chier. Retourne en dessous. Rien là. Prends ça. Faut que je revoie où fallait les poser. C'était là. Qu'est-ce que je prends? C'est là-bas. Un jour, il faudra quand même que je teste pour voir si ma co tient le coup avec du 60 fps. 720p en 60 fps. Mais vu que là, j'ai déjà des images perdues, mon idée, je l'oublie tout de suite. Tant que j'ai pas la fibre. Et donc déjà... Les pièces. Libra, la constellation de la justice. Illuminant les mortels, elle symbolise ton pouvoir de juger leurs actes. Oh Zeus. Ça nous rajeunit pas tout ça. Tu te rappelles quand je les ai créés? Au début, les titans arpentaient la terre. Toi, moi et les autres dieux les avons vaincus. C'était le bon temps, Zeus. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était sans danger de créer des mortels. J'ai commencé par essayer de les faire en or. Ils étaient parfaits, tellement que c'était pas drôle. Alors je les ai supprimés. Ensuite, j'ai essayé l'argent. Mais ils étaient tellement bêtes qu'ils se faisaient mal. Alors j'ai utilisé le laiton. Ça a été une terrible erreur. Ils se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun. Après, il y a eu la quatrième race, les héros. Ils étaient vraiment bien, eux. C'était pas des dieux, mais je les ai adorés. T'avais utilisé quoi comme ingrédient? Ah ben, c'est bien le souci. J'ai paumé la recette. Ce qui nous amène au présent. Le cinquième âge. Je les ai fabriqués en fer. Les meilleurs de tous. Si tu le crois, tant mieux pour toi. Si tu n'avais pas volé le feu aux dieux pour le donner aux mortels, tu n'en serais pas là. Tu n'aurais pas fini enchaîné à un rocher. Tu es conscient que tu peux changer cela, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as mis ici. Dès le début, les mortels en fer ont été un problème. Ça a empiré à chaque génération, on m'y reprendra plus. Je pense déjà en jus de raisin pour le sixième âge, ou de l'huile d'olive, tout le monde aime ça. Quel est le problème avec les mortels en fer exactement? La décadence, l'égoïsme. En plus, ils ne se lavent jamais les mains. Ils recherchent le plaisir et le pouvoir, et ils rejettent ou imposent l'autorité. Ils sont trop extrêmes et trop brouillons. Ton portrait craché, dis donc. Hé, hey, c'est pas faux. Avant Zeus, le monde n'était que chaos et souffrance. Oh, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Je n'ai rien fait du tout.
déjà l'énergie négative qui émane de celle-là. Ne me dis rien. C'est la tour des reins. Tu es amoureux d'elle, Prométhée. Un vrai tourtereau. Comme elle aimait les animaux, je me suis changé en tourtereau pour qu'elle dise oui. Et quand elle dit non, eh ben, je l'ai amenée par la honte à m'épouser. Et depuis, c'est moi qui lui fais honte. Notamment en la trompant. Ce qui revient à la cruée de son bonheur. Je trompe tout le monde. En réalité, c'est la tour des mois. Ah, oui, bon. Ça m'apprendra à me confier. Ça va, on est large. Putain, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus faciles que les autres. Les autres, des fois, c'est au poil du cul près. Là, ça a l'air d'aller. Plus 4. Et j'avais dit quoi? Il m'a resté une quarantaine. 45 pièces pour monter toutes mes capacités. À moi! Un éclair glacial embrase terrain! Enfin, ton cœur. Yeah, on est au bout, on est au bout. On est au bout. On est tout en haut. J'ai réussi. Alors, c'est qui la bosse maintenant, Ligueron ? Hé, haleine de Cerbère ! As-tu volé le nectar ? Ah, bâtard ! Oui, j'ai abattu les colombes qui la portaient sur la montagne. Comme tu l'avais demandé, Typhon. Qu'est-ce que... Bien. Le nectar qui accorde la vie aux... corps qui coule dans le veine, verse-les dans le chaudron. Icor ? Le sang des deux. Dépêche-toi, petit. Qu'est-ce qui m'agace avec ces petits ? Maintenant, le venin de l'hydre qui vit vaciller Héraclès et l'eau du Styx, le fleuve le plus meurtrier des enfers. Verse la dame pour tout contenir. Doucement. Bien. Maintenant apporte-moi la fiole. Ce sera mon trône quand on aura tué les dieux. Dès que ce poison leur aura imposé le repos éternel, rien ne résiste à son noir. Alors voilà le plan de Typhon. Les tuer tous. Oh oui. On n'est pas bien là. Ligueron. Oh, je sens que ça va me plaire. Oh, petite sœur, comment es-tu arrivée jusqu'ici? J'ai tout entendu. Regarde-moi. Est-ce que je ne mérite pas de devenir un dieu? Et je ferai bien sûr de toi une déesse. Déesse des contes, pour que tu m'immortalises. T'as compris? Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu ne peux pas donner ce poison à Typhon. Arrête de t'inquiéter, petite sœur. Tout va bien. Tu n'auras pas à faire de mal aux dieux, c'est promis. Je m'en chargerai. Aux enfers, le passé. Vive la nouveauté! Non, je ne te laisserai pas faire. Avec tes épaules de serpent? Exactement. Avec mes épaules. Ah, mais c'est qu'elle est sérieuse. Ça me gêne de devoir t'humilier, mais tu ne me laisses pas le choix. Voyons ce que tu sais faire. Bâtard! Allez, petite sœur!
Je te l'ai dit, je me suis entraîné. Je vais arrêter de retenir mes coups alors. Je te le conseille. Il y a des conseils qu'on regrette. Oh oui. On n'est pas bien là? Oh, ça devient épique. Il va dire ça toute la journée, cet abruti. Allez, en avant, Félix! C'est ce que je suis pour toi? Une plaisanterie? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Toute ma vie, j'ai voulu te ressembler. J'aurais fait n'importe quoi pour toi, mais tu ne t'es jamais tourné vers moi. Comme si je n'existais pas. Alors, qui rigole maintenant? Bon bah il était facile hein. Arrête. Pitié. Arrête. Pourquoi? Tu n'es pas celui qui a vaincu tout seul un millier de Spartiates et qui a coulé en une seule nuit tout leur navire? Comparé à tous tes exploits, ce n'est rien du tout. Non, je n'ai jamais fait tout ça. Comment? Quoi? Prométhée, explique-moi. Je me suis caché, d'accord? Il y a eu une tempête. Tous les navires ont coulé et les autres soldats sont morts. J'ai tout inventé. Tu es contente? Rien n'était vrai? Rien du tout. C'est toi. C'est toi qui m'as appris comment faire. Tu es une conteuse si douée, si vibrante, qu'on ne peut s'empêcher de croire ce que tu dis. Tu es si passionnée. Après tout, raconter des histoires, c'est un don familial. Je n'appelle pas ça raconter des histoires. Tu as menti, c'est tout. Oh, tout dépend du point de vue. Quoi qu'il en soit, une fois devenu dieu, je rendrai tout cela vrai. Personne n'en saura rien. Liguiron. Typhon, non! Arrête! Tu fais une terrible erreur! Non, 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 non. Et s'il utilise cette potion contre ma famille, il faut que tu la lui prennes, Phoenix. Je n'arrive pas à le croire. Ne jamais se retourner quand quelqu'un nous montre quelque chose derrière nous. C'est l'enfance de l'art, une règle de base, comme le pré-lavage, ou toujours vérifier qu'on n'avale pas une pierre quand on dévore un enfant. Très juste tout ça. En fait, on enchaîne très vite à la fin du jeu. On prend ça plus tard. Maintenant, vous allez tous payer. Attends, j'ai pas ma TP. Attends, ils m'ont pas donné ma TP honneur. Attends, structure de métis. Structure de...
Attends. Sortir du. C'est pas là. Parce que je l'ai pas dévoilé de la zone en haut là. Ça va pas ça. En fait, je travaillerai pas demain. J'hésitais de faire le boss final là. Rejoins le point culminant de l'île. C'est plutôt là. Ok, là j'ai un souci. Là j'ai un gros souci.
serait pas ici? Ce serait plus là? Attends. Déjà, on va faire le succès et planer 1000 km. Putain, c'est apparemment c'est cette statue là qu'il faut monter. C'est un défi. En cas d'échec, il ne restera rien de toi. Ah oui, en plus, c'est la statue, je suis un gros con, moi. C'est un défi. En cas d'échec, il ne restera rien de toi. Oh, attends, déjà, mon succès. Je l'ai toujours pas. Yeah, excite. Oh putain, tu vas te pointer quand je vais partir. J'ai fait plusieurs 1000 km là. Planer sur 1000 mètres une fois. Oh, si ça passe, ce que je pense. Ah bah oui, grave. Bah, parce qu'en fait, de tout à l'heure, on va dire, je commence le boulot à 7h du mat. Donc à 6h du mat, grand max, je suis réveillé, quoi. Par contre, on va falloir m'expliquer le bug du succès. Faut peut-être que... je me pose, c'est ça. Non mais si ça passe. Ça passe, tant pis, je fais le boss final au final. Ça passe. Ça passe. Bon bah, tu sais quoi, on va finir le jeu en fait. Ah, j'ai craqué. Je vais juste changer de rediff.